Bonjour Ugo Bernalicis. Bonjour. Le gouvernement a présenté hier en Conseil des ministres le schéma de la réforme du trafic ferroviaire. Le recours aux ordonnances est confirmé, de même que la transformation en société anonyme et la disparition du statut de cheminot pour les futurs recrutements. Si l'on en croit les sondages, les Français sont plutôt favorables à la suppression du statut des cheminots. Est-ce que dans ces conditions, il ne va pas être difficile d'avoir le soutien de l'opinion publique pour défendre la SNCF ? Non, moi je ne pense pas qu'il y ait de difficulté pour avoir des soutiens pour défendre la SNCF, parce que ce que veulent les gens, c'est un service de qualité et, si possible, un service public de qualité. Moi, je voudrais vous faire remarquer que quand on pose la question aux Françaises et aux Français sur le statut des cheminots, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est le mot de privilège. Parce qu'il y a une forme de matraquage permanent, qui date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui remonte à au moins une bonne quinzaine d'années, en disant les cheminots sont des privilégiés, ils ont des privilèges. Et dans ce pays, on n'aime pas les privilèges. C'est historique, c'est la Révolution française aussi qui nous l'a appris. Et les gens ont raison de ne pas aimer les privilèges. Mais est-ce que ce sont des privilèges, ce qu'ont les cheminots? Non, je pense que ce sont des droits qu'ils ont acquis parce qu'ils font un métier difficile, avec des horaires décalés, avec des contraintes particulières. Et la question, est-ce que on veut diminuer tous les droits acquis pour les uns et les autres afin qu'on ait plus aucun droit et que ce soit la concurrence libre et non faussée sur le marché du travail et qu'on finisse par tous devenir des travailleurs pauvres, ou est-ce que l'objectif c'est d'avoir des nouveaux droits pour toutes et tous? Moi je pense qu'il faut que tout le monde arrive à terme à avoir un statut aussi protecteur que celui de la SNCF. Mais encore une fois, c'est pas le statut le plus protecteur du monde, parce que sinon, pourquoi la SNCF aurait des difficultés pour recruter? Pourquoi ? Le texte stipule que l'ouverture à la concurrence devra être, je cite, un maîtrisé et progressif et se faire dans le respect des spécificités régionales et des droits des salariés. Est-ce que vous voyez dans cette formule quelque chose de rassurant? Non, c'est du blabla. Ils auraient pu terminer la phrase en disant tout ça pour libérer les énergies, comme ils aiment à nous le répéter. Non, on se moque du monde. Je veux dire, c'est pas sérieux. De toute façon, à la fin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous n'aurez pas une amélioration du service, probablement une dégradation du service. Et vous aurez juste le choix de choisir avec quel train vous voulez arriver en retard. Ça va être ça la finalité, voire dans le pire des cas, une augmentation du nombre d'accidents sur le rail. Et ça c'est vraiment problématique. On le voit, l'exemple anglais quand même est riche d'enseignements en la matière. Vous avez défendu au mois de novembre à l'Assemblée nationale un amendement sur le droit à l'eau. Avant-hier, 400 salariés de concessions hydrauliques ont manifesté devant le Parlement européen à Strasbourg pour protester contre le projet d'ouverture à la concurrence des barrages hydrauliques qui est donc aujourd'hui exigé par la Commission européenne. Quelles conséquences selon vous auraient cette réforme? Il y a un élément qui est extrêmement important, c'est qu'il faut que tout le monde le sache, les barrages hydroélectriques nous permettent de réguler le courant sur le réseau électrique. Et le réseau électrique doit être tout le temps à l'équilibre. Si vous avez trop de production ou pas assez de production, toute l'électricité, il n'y a plus d'électricité, donc c'est terminé. Si vous donnez aux mains du privé cette capacité à réguler finement le réseau, vous leur donnez un pouvoir de régulation sur le réseau qui est extrêmement fort et qui leur permet de réguler eux-mêmes leurs propres prix à la hausse ou à la baisse. Ce qui s'est passé dans beaucoup de pays, même aux États-Unis ou d'autres pays européens, c'est qu'à la fin, les producteurs privés, privatisés, jouent de ça, de cette capacité à mettre un pistolet sur la tempe de tout le monde et à dire « ben voilà, si vous ne nous payez pas tel prix, de toute façon, demain, il n'y a plus d'électricité, ou tout à l'heure, il n'y a plus d'électricité sur tout le réseau. » Et donc, on voit qu'on sort complètement de la notion de service public. C'est extrêmement grave. Et à la fin, en plus, il risque d'y avoir un surcoût pour le consommateur en termes d'électricité. Non, c'est un bien commun. Il faut le conserver en tant que bien commun. Et on voit encore le diktat de l'Union européenne, comme sur la SNCF, qui nous explique ce qu'on devrait faire de bien dans notre pays. Non, là, c'est pas l'intérêt général. Tout ça est de l'idéologie fumeuse qui va nous mener droit dans le mur. Aujourd'hui, il y a déjà des opérateurs privés qui vendent de l'électricité en France, et dans l'ensemble, ils sont moins chers que l'opérateur historique EDF, qui ne s'appelle plus de EDF, d'ailleurs, je crois que ça s'appelle ENGIE, il me semble. Non, il y a encore EDF, mais c'est GDF qui est devenu GDF-Suez, qui est devenu ENGIE, etc. Bon, ENGIE, dont l'actionnaire majoritaire est toujours l'l'État, et qui pourtant délocalise... Ça, j'avais dit opérateur historique au départ, pour rester un peu dans le ENGIE, qui est donc l'État actionnaire majoritaire, qui pourtant délocalise une partie de son activité, notamment relations clientèle, à l'étranger, alors qu'ils avaient dit le contraire, et qui en plus fait de l'optimisation, de l'évasion fiscale. Mais les opérateurs privés, donc, qui eux, sont sur le marché, pour l'instant, ils vendent moins cher. Oui, mais pourquoi? Parce qu'on a obligé EDF, opérateur historique, à vendre plus cher. C'est-à-dire qu'on a fait exprès on a organisé le fait que les autres soient moins chers pour susciter la concurrence, parce que sinon elle ne serait pas venue, parce que EDF est un bon outil de service public à la base. Non, c'est vraiment pas sérieux sur la question de l'énergie, parce que de toute façon le réseau il doit rester unique, je viens de vous l'expliquer pourquoi. Et sur la production, il faut qu'on revienne à un service public. Moi je suis pour revenir à un pôle public national, c'est dans le programme de l'avenir en commun, c'est ce que propose la France Insoumise, et c'est la seule position raisonnable et rationnelle. Les barrages n'ont finalement pas été levés à Mayotte. Les représentants du mouvement social attendent des résultats concrets. Est-ce que vous comprenez l'exaspération des Mahorais qui dénoncent en particulier l'immigration et ses conséquences en matière de sécurité ? Moi, je comprends tout à fait cette exaspération parce que ça fait partie, Mayotte, de ces territoires souvent oubliés de la République. Et il n'y a pas que la question de l'immigration et de la sécurité. Non, mais elle est quand même très mise en avant. Elle est très mise en avant, mais elle c'est pas la seule question. Quand vous avez tous les maires de Lille qui vous expliquent qu'il leur faut 1,8 milliard d'euros de plan d'investissement, il n'y a pas 1,8 milliard d'euros pour la sécurité. Il y a d'ailleurs quasiment 500 millions d'euros pour les infrastructures scolaires. Au moins la même somme pour la question de l'accès à l'eau potable. Il y a quand même des problèmes concrets aussi à régler, autres que l'immigration et l'insécurité. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on croie qu'en envoyant des gendarmes et des policiers supplémentaires, on aurait résolu le problème. Et que sur la question des visas, on aurait aussi résolu le problème. Non, c'est un problème d'ensemble et il faut le résoudre dans son ensemble. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Mahorais et les Mahoraises ont l'impression de ne pas avoir obtenu satisfaction sur l'essentiel de leurs revendications. Et c'est pour ça que le mouvement continue. Et ils ont raison. Et je les invite à continuer. Est-ce que vous êtes favorable à l'idée que la maternité est un statut particulier? Je rappelle qu'il y a à peu près 10 000 naissances par an, ce qui en fait la première maternité de France, certains disent peut-être même d'Europe, dont 40% des enfants sont des enfants nés de mères étrangères. Alors on a parlé, la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, a parlé d'un statut d'extraterritorialité. Ça, c'est une idée à laquelle vous pouvez souscrire? Je pense que tout ça serait un peu du bricolage. Il y a un problème immédiat de milliers de jeunes, de mineurs qui sont sur l'île et dont on ne sait pas quoi faire, qui sont dans les rues et qui génèrent effectivement de l'insécurité, on va dire ça comme ça. On a fait une proposition, nous, à la France Insoumise, avec notre président Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un excellent discours à la tribune sur le sujet, en disant, attendez, la France, c'est pas que Mayotte, c'est tout le territoire. Est-ce qu'on serait pas en capacité d'accueillir tous les jeunes gens qu'ils voudraient en métropole et de se les répartir pour aider Mayotte de manière immédiate et prendre en charge ces jeunes qui aujourd'hui sont à la rue. Nous arrivons quasiment au terme de notre entretien. Est-ce que vous avez eu le sentiment ce matin d'être en face d'un représentant du parti médiatique qu'il serait sain et juste de haïr ? Je ne crois pas avoir été en face de ce genre de représentants, mais parce que le parti médiatique n'est pas le parti, il n'y a pas encore de parti unique, encore une fois, il y a encore des espaces de liberté d'expression. Donc Jean-Luc Mélenchon a dû employer le pluriel et dire les partis médiatiques, certains partis médiatiques. Non, parce que je rappelle tout de même que je fais allusion à la phrase de, il est sain et juste de haïr. Non, mais il y en a un qui fait quand même 95%, qui détient 95% des médias, donc forcément il est très dominant, hein, donc c'est un peu ça le sujet. Quand vous avez 9 milliardaires qui possèdent l'essentiel des médias, il y a un parti médiatique de facto. Mais voilà, ici, je peux venir et expliquer qu'on a cette semaine une votation sur le nucléaire. Ouais. Voilà, je ne sais pas si je peux le faire dans d'autres médias, je ne sais pas ce qu'on pourra en discuter ensemble. Bon, ici on peut se contredire et ça c'est très bien et vous ne m'avez pas invectivé ce matin, ça a été très sympathique et très cordial et c'est tant mieux. Merci Ugo Bernalicis, bonne journée.